Ingrid a joué le premier coup brillant du championnat du monde d'échecs. Malmené les deux premiers jours par Nepomniachtchi, le numéro 1 chinois a d'abord retrouvé des couleurs en obtenant la nulle avec les noirs dans la troisième partie, avant de signer un réveil fracassant dans la quatrième avec les pièces blanches. Dans cette position, Nepo vient de gaffer en jouant cavalier D4, il a fallu moins d'une minute à son rival pour jouer le plan de panache tour prend D4, sacrifice de qualité, après quoi son propre cavalier va briller de mille feux au cœur de l'échiquier qui se transforme en une véritable pieuvre dont les tentacules vont totalement asphyxier les noirs. Malheureusement pour Nepo, on se rend compte que ses 4 pièces restantes se retrouvent confinées dans une triste petite boîte de 3-4 sur case, ne lui laissant d'autre choix que de rendre très vite du matériel. Et ensuite, le résultat est que les blancs ont un pion à une case de la dame, et ce n'est plus qu'une affaire de technique pour l'emporter. Sur Dame F8, Nepo a rendu les armes. Il aurait pu tenter tour G8 pour contrôler la 8ème rangée, et Ding aurait pu se faire plaisir avec un dernier petit sacrifice de dame. Et après tour D8, une nouvelle fois, le pion est inarrêtable, et les blancs l'emportent.